Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs produits, notamment des produits de beauté et des produits de déco. Les premiers produits dont je voulais vous parler, c'est des produits que j'ai reçus, les produits de beauté grâce à Optoly. Optoly, vous savez ce que c'est une plateforme pour les youtubeurs pour recevoir des produits gratuitement et en dire son avis. Vous avez le lien de parrainage juste en dessous et c'est parti pour le premier produit que j'ai reçu grâce à Optoly. Et c'est la lime éventail de chez Sephora. Donc moi, à l'époque, j'avais la lime ponce, je sais pas, enfin, la lime 4, le bloc 4 faces de chez Sephora. Et là, ils ont sorti une nouvelle lime à 3,95€, donc c'est pas trop cher. Et qui est pratique, puisque c'est une lime tout en un. Vous avez la lime en couleur verte, vous avez la lime pour lisser, la lime pour polir et la lime qui fait briller. Tout ça en forme d'éventail, c'est-à-dire qu'on peut lisser partout avec nous. Et notamment, vous avez une petite encoche pour y mettre le porte-clés. Donc, vous avez toujours une lime à portée de main. Et ça, je trouve ça cool parce que je me casse très souvent mes ongles. Et je n'ai jamais de lime sur moi ou rien quand j'ai mes ongles qui accrochent, etc. Donc là, c'est hyper génial. C'est une belle innovation. Ensuite, après, ça ne serait pas celle que j'utiliserai quand je ferai ma vraie manucure. Parce que je pense que ça va vite s'utiliser. Ce que je veux dire, c'est que ça va vite s'user. Mais ceci dit, quand je suis en dehors de chez moi et que j'ai besoin de quelque chose comme ça, c'est parfait, c'est nickel. On continue avec deux parfums que j'ai reçus de la marque Bon Parfumeur. Donc c'est les parfums de la marque Bon Parfumeur. Nous avons des parfums boisés oriental. J'en ai reçu deux parce que c'est des parfums qui peuvent être mixés. Donc un parfum coûte 32€, les deux ensemble pour faire un duo coûte 58€, donc ça vaut plus le coup d'en prendre deux. Donc ces parfums, vous pouvez les retrouver sur le site www.bonparfumeur.com, mais ils seront bientôt disponibles dans le 15e arrondissement à Paris, au centre commercial Beaugrel, que je ne connais pas d'ailleurs. Et sinon après vous pouvez les retrouver à New York, à Tokyo, etc. dans les grandes villes. Alors ceci dit, ce que la marque veut mettre en avant, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir un parfum pour toute la vie. Notamment, on peut changer de parfum comme on change de tenue. Et ils pensent que voilà, de toute façon, un parfum c'est comme ça. C'est selon notre état d'humeur, notre état d'esprit que l'on porte un parfum et selon aussi notre tenue. Donc ils estiment qu'on peut faire, qu'on peut porter un parfum, admettons pour une soirée, celui-là plutôt pour une journée, ou mixer pour avoir sa propre odeur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des parfums, je pense, en petit format. Ce que je voulais vous dire, c'est que le 301, c'est un boisé sensuel épicé, vu qu'il est à base de santal, ambre, cardamone. Et le 401, c'est un oriental chaud et plutôt sucré, puisqu'il est à base de cèdre, de prunes confites et de vanille. Honnêtement, j'adore les odeurs, c'est des odeurs très très fortes. Pour ceux qui aiment les parfums assez forts, je vous conseille ceux-là. Moi, ils me font penser un petit peu aux parfums de chez Serge Lutens. Après, voilà, c'est mon avis. Et voilà, c'est des odeurs qu'on retrouve pas partout, puisque maintenant vous voyez que les nouveautés se ressemblent plus ou moins. En ce moment, on est à fond dans la tendance sucrée. Et là, franchement, c'est des odeurs qu'on ne retrouve pas forcément partout. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée. Et vous avez moins 20% avec le code promo SARAVERN. Je vous mets le code promo juste là. Donc même si vous voulez vous faire un petit duo, vous avez le code promo. Sachant que les parfums n'ont pas de nom, je voulais vous le dire quand même. En gros, chaque numéro, notamment les premiers chiffres que vous voyez, vous indique sur quel parfum vous vous dirigez. Donc là, le 300, le numéro 3, c'est pour les parfums boisés, le numéro 4, c'est pour les parfums orientaux, et après vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, sinon fruité, sucré, etc., floral, et voilà. Donc voilà, jolie découverte, j'espère pouvoir en sentir d'autres, et voilà, me faire mes mix and match. En tout cas, voilà, belle découverte sur des odeurs que je ne sens pas partout. On continue avec une innovation de la marque Bumble & Bumble. Donc c'était une marque que je connaissais de vue, de nom, mais que je n'avais jamais testée. Donc je suis très contente de pouvoir tester le masque. Et c'est un masque avant shampoing. C'est donc un masque qu'on applique avant de se faire le shampoing. C'est sous forme de baume à chauffer dans les mains. L'odeur est juste exquise. Donc le masque se présente comme ça. Ça ne peut pas couler vu que c'est un baume. On prélève une quantité, on fait chauffer dans nos mains. On l'applique sur toute notre chevelure et on laisse poser pendant 20 minutes avant de prendre son shampoing. Enfin, avant de faire son shampoing. Donc voilà, c'est un masque à base d'huile de coco, d'argan, de macadamia, d'amande douce, de cartame, et de pépins de raisin. Donc c'est à base de 6 huiles différentes. Je l'ai testé, donc ce que je peux vous dire, c'est vraiment du bien parce que moi j'avais les cheveux très abîmés avec le soleil, la mer, vu que j'habite sur la côte basque.
Et pour le coup, j'ai envie de vous dire que mes cheveux sont redevenus tout doux. Parce que je n'arrivais pas à avoir, vous savez, juste en dessous, au niveau des pointes, qu'on a vraiment les cheveux très secs et très abîmés. Là, pour le final, mais j'en ai fait qu'un cette semaine de masque. Et j'ai les cheveux très doux et brillants. Ça se voit qu'ils ont été réhydratés, on va dire. Donc ce masque, vous pouvez le retrouver chez Sephora, dans la boutique Colette ou également sur le e-shop Colette, aux Galeries Lafayette et dans les salons de beauté partenaires pour le prix de 39 euros. En tout cas, moi je vous le recommande, c'est la première fois que je teste cette marque, mais j'en avais déjà entendu que du bien. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que c'est sans silicone, sans alcool, sans sulfate, sans phtalate, sans parabène, sans huile minérale. Donc c'est que du bon pour les cheveux. Et le packaging aussi, j'aime beaucoup ce côté fluo et blanc. Voilà, ça donne envie. Maintenant, on va passer au côté déco. Donc aujourd'hui, j'ai été chez Maison du Monde, et bien sûr, chez Maison du Monde, je suis forcément obligée de craquer. J'ai été deux fois chez Maison du Monde ce matin. Je me suis dit, non, Sarah, tu ne craqueras pas. Et cet après-midi, et là, je n'ai pas pu résister à cet ananas. Donc, vous avez dû voir plein d'ananas partout. Bah, j'ai intérêt à faire attention et pas le faire tomber. L'ananas est à la mode depuis quand même quelques temps en ce moment. Et moi, je trouve qu'ils sont souvent à un prix très excessif, notamment dans la boutique Ben Simon. Vous avez la lampe ananas pour 90 euros ou même des ananas tout simples à 70 euros. Vous en trouvez très facilement sur le net. Et pour le coup, celui-ci, je le trouvais un petit peu plus original puisqu'il était cuivré et blanc. Comme chez moi, je vous laisse regarder juste derrière. Et pour le prix simple de 29,99€, je me suis dit, je venais pile de parler d'ananas dans l'après-midi avec une copine. Et on parlait du prix excessif de celui de 90€ et là je l'ai vu à 30€. Du coup en fait je suis tombée encore plus vite d'en avoir parlé dans la journée même, mais je suis trop contente. Et je vous ai posté une petite photo Instagram. Je trouve qu'il a très bien sa place sur mon meuble en forme de caisse de verre. D'ailleurs si vous voulez voir ma petite déco, je vous laisse le lien de l'appartement, tout la décoration de mon salon en tout cas. Je vous laisse le lien en fiche en haut, je sais pas de quel côté. Bref, je suis trop fière de mon ananas, j'ai pas intérêt à le faire tomber, donc je le repose aussitôt, mais sachez qu'à Maison du Monde, en ce moment, il y est. Et moi, il n'y en avait qu'un, donc s'il vous plaît, foncez-y, on sait jamais, parce que des fois, chez Maison du Monde, on ne retrouve plus les articles, comme mes fameuses boîtes que je voulais, que je n'ai jamais retrouvées. Donc on continue avec un autre article là, pour le coup, de chez Kaza. Donc on continue avec des pots en macramé que j'ai trouvé chez Kaza également. Donc j'ai trouvé hyper sympa, c'est des petits pots de fleurs qu'on peut suspendre. Donc je les trouve aussi beaux pour mon intérieur que pour mon extérieur. Et le prix aussi je le trouvais hyper sympa puisqu'elle coûte que 7,99€, sachant que les pots, je trouve que quand même en général les pots de fleurs c'est pas donné. Là pour le coup il y a déjà le macramé de fée, le tissage en macramé. Donc je risque de les suspendre sur ma terrasse parce que j'envisage de refaire ma terrasse, voilà, j'ai envie de faire un point de cocooning, etc. Bon, et donc voilà, je pense que je vais les mettre sur ma terrasse ou peut-être à l'intérieur. J'en ai pris un blanc et un gris et je l'ai trouvé vraiment pas cher, donc allez-y aussi foncez si ce style de pot vous intéresse. Pour finir, je vous ai posté une photo Instagram également de ma cuisine terminée, mais je voulais vous présenter quand même les stickers Martix. Donc c'est des stickers à poser sur des carrelages. Je les mets en photo par-ci ou par-là. C'est des stickers donc à poser sur des carrelages quand on veut refaire un peu sa cuisine, un petit peu à neuf, donner un petit peu de peps à sa cuisine, mais quand on ne veut pas forcément faire appel à un carreleur. Donc ça, je vous en donnerai beaucoup plus d'informations par la suite, mais je voulais quand même vous en parler maintenant. J'avais posté une photo sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram juste en dessous. Ces carreaux valent l'unité 6,60€ et voilà, c'est hyper pratique je trouve, dans le sens quand on n'a pas envie de s'embêter à faire des travaux chez soi. Mais je vous fais une vidéo très vite sur la décoration de ma cuisine. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup, on a dépassé la barre des 4000 abonnés sur Facebook. Pourtant, c'est pas là où j'interviens le plus souvent. Mais bon, ça me fait très plaisir en tout cas de vous retrouver également sur Facebook. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier des retours que j'ai eu sur ma vidéo précédente sur mes rouges à lèvres, cette façon ludique que j'ai eu de tourner ce haul spécial rouge à lèvres. Donc de toute manière, je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo, vous avez le lien de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces retours et je risque de vous en faire d'autres comme ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.